potentiel nouvel actionnaire. Les choses vont se dérouler normalement et on verra ce qui se passera, mais ça va être en tout cas, c'est un moment important pour le groupe. Nous avions un partenariat avec Jingjiang depuis 4 ans. On a vraiment travaillé de façon très en amont, puisqu'on avait fait un partenariat commercial avec eux, avec un co-branding, déjà pour commencer. Disons qu'on avait appris à se renifler, à comprendre. On avait reçu des cadres de chez eux, on avait été chez eux. On avait aussi partagé en B2B, on avait fait une alliance commerciale B2B. Donc on connaît très très bien nos amis de Jingjiang. Donc c'est un vrai plaisir parce que ce sont ce qu'on appelle vraiment un industriel. C'est des gens qui veulent, sur le long terme, faire un métier d'hôtelier, donc avec une croissance régulière, mais ferme. Et c'est vraiment, je crois, un modèle de développement, que ce soit en Asie ou même à l'international, puisqu'aujourd'hui, ils ont récupéré presque 500 hôtels aux États-Unis. Donc, ça en fait quelqu'un qui est présent sur le marché américain et sur le marché asiatique. Et éventuellement, notre collaboration peut être un plus d'être dans les trois zones dans le monde actuel. Donc ça veut dire, pour répondre à ta question, ça voudra dire effectivement, ce qu'ils aiment bien chez nous, c'est les marques, la qualité de nos marques, le positionnement, la force de nos marques, le savoir-faire qu'on a à justement faire de la différenciation produit par les marques et non pas rentrer là-dessus. Et donc, ils sont intéressés pour développer nos marques si jamais les choses se faisaient, puisque on parle potentiel. Développer des marques en Asie, ça c'est très bien. Nous donner aussi les moyens de développer nos marques en Europe et après travailler en bonne intelligence avec d'autres partenaires autour du monde. Donc, on est en train de. Ça peut faire construire une plateforme assez exceptionnelle qui est vraiment, si tout se passe bien, va être une arme de guerre pour demain. C'est un peu pour ça qu'on avait fait ce partenariat avec Jingjiang il y a 4 ans. Parce que Jingjiang, ce n'est pas que des hôtels. C'est un Jingjiang Hotel, oui, ils ont 1700 hôtels. Mais c'est surtout, ils ont les 5 plus grosses agences de tour opérateurs chinois qui envoient des Chinois à l'extérieur de la Chine. Donc ça, c'est bien. Ils ont des compagnies aériennes. Ils viennent de racheter une partie de Disney à Shanghai, Disneyland à Shanghai. C'est vraiment un acteur important sur tout le domaine du tourisme au sens large. Ils ont aussi des parts dans les compagnies aériennes, les compagnies de taxi, les rental cars, etc., etc. Donc l'objectif de notre partenariat qu'on avait eu avec Jingjiang, c'est justement de capter tous les Chinois qui viennent de Chine plutôt sur nos plateformes européennes. Donc c'est vrai que si le potentiel acquisition se fait, on sera encore mieux placé, que ce soit pour nous, nos hôtels, nos investisseurs et nos salariés. On les connaît depuis 4 ans, donc ce sont des gens qui sont très respectueux, on travaille avec eux, on partage des choses. Je veux dire, il n'y a vraiment aucune inquiétude à avoir. C'est pas quelqu'un qu'on découvre, ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble. Là, il faut se référer à la communication de Jingjiang et de Starwood, puisque là, encore une fois, c'est un potentiel... potentielle transaction, mais ça, si ça se fait, ça se fera sûrement au début d'année, enfin au premier trimestre, deuxième trimestre, ouais, début 2015. Voilà, merci.